Salut à tous et bienvenue sur Geese Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de JCB Pionnier Mars. On reprend exactement là où j'avais quitté. Je tourne en fait l'épisode pratiquement à la suite de l'autre. Donc je suis exactement au même point. Donc j'ai vu... Bon après ils ont, j'ai déconnecté et reconnecté, donc ils ont rangé le vaisseau. J'ai vu que lui est inactif, il n'a pas d'énergie. Donc le but, ça va bien être de le connecter, chose que j'avais pas réussi à faire la dernière fois. Alors, par contre, il faudrait que je trouve un canister. Là, il y a du canister vide. Ouais, bien. Ah, ça va, on peut cumuler. On peut cumuler. Alors, je sais pas si c'est parce que je... Ah, je sais pas si on peut mettre des trucs dans les crates. Ou si... Alors là, il me faudrait un canister. J'espère qu'il y en a un quelque part. Il n'y en a pas. Je vais aller voir dans mon buggy. Il y en avait tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai plus que 3 minutes d'oxygène. J'espère que ça... Oh merde, le cargo de... Ok, à la Décoroco, le cargo du buggy se vide. J'espère que je les ai foutus dans le... Là, dans ce storage. Ouais, c'est bon, j'en ai un. Voilà, c'est mieux. Alors je vais voir si je peux mettre ça dans cette caisse. Alors non, ça a pas l'air de fonctionner. Ça a fonctionné tout à l'heure, mais je sais pas. Je comprends pas encore tout à fait ce qui se passe. Bon, on va essayer d'aller connecter en énergie. Alors, c'est où? C'est le CPV. On va essayer d'aller par là-bas. Hop là. Il faudra arriver à connecter au moins ça. Voilà, ce coup-ci, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, maintenant, donc, il va fonctionner. Voilà. Alors, je sais pas exactement, voilà. On va le connecter aussi comme ça. On sait jamais. Donc voilà, maintenant il est connecté, il devrait fonctionner. Alors, j'ai juste aller voir si je peux faire quelque chose avec. Là, il est bien actif. Storage 0 sur 6. Je vais voir peut-être qu'il faut lui mettre des canisters vides. Bon, il est actif, il va se régénérer. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça va bien finir par me faire un canister d'oxygène. Donc les canisters vides, je vais les poser. Shift-click, ça envoie. Impeccable. Ça c'est bon, j'en ai un. Ça c'est le radar. Voilà, là il y a une crate. Il faudra que j'aille voir dans les autres ce qu'il y a. Notamment ces deux trucs là. Ah. Il y a des canisters d'O2, donc je vais pouvoir le... C'est parfait ça. Et ça. Du repair matériel. Alors, il y a quelques secondes, je viens de faire un et j'avais... Ouais, ok, bon, ça c'est fait, je suis ok. Alors, je sais pas si ça va être utile de les garder ou pas. On verra bien par la suite. Donc, je vais aller prendre une nouvelle mission. Alors, ça c'est le repair. Energy Manchi. Il est difficile de survivre sur Mars sans nourriture. Un hydroponic lab. Steady Water Supply. Voilà, là j'ai claim ce que j'avais. Ok, ça c'est le basique. Ah ouais, on peut acheter des nouveaux trucs en plus.
C'est cool ça. 30 000. Ouais, j'ai que 30 000. Donc. Hop, je vais prendre ces deux-là. Alors, on va aller dans le CPV. Storage. Waouh! Ça, c'est un gros storage. Je sais pas ce qu'il faut pour le faire. Ah mince. Power unit. Industrial. Recycling. Work. Recherche. Il manque encore des trucs. Donc, ce qu'il me faudrait, c'est un hydroponique level 1. Je crois que ça, c'est le... On va essayer de le mettre par là. Je sais pas si on peut le faire tourner. Voilà, on peut le faire tourner. Avec A et E. On va le mettre ici. Et je vais essayer de faire le water machin. Ici. J'espère que ça sera suffisant. Donc maintenant, il me faut du carbone, de l'aluminium et de l'iron. Qu'est-ce que j'ai? Copper, iron, aluminium. Je vais prendre ce que j'ai déjà là. Je vais aller voir le printer. De l'iron, de l'aluminium. Bon voilà, j'ai tout mis. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher de quoi... charge. Ah, storage 2 sur 6. Pas assez encore. Pas assez d'eau 2 générée. Bon, j'espère que ça va avancer quand même parce que je vais en avoir besoin vite fait d'eau 2. Là, j'ai du zinc. J'ai de l'aluminium. Il me le prend comme un véhicule, ça. Ah, ok, je sais ce que c'est, ça. Ouais, parce qu'il n'y avait rien. C'est le JCB que j'avais. Tout... ok, j'ai compris. Quand j'ai déco reco, il a tout foutu là. Il a pas pourri... il a pas vidé l'inventaire. Il l'a mis ici. Zinc. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a tout ça. Il faut pas que je le récupère, d'ailleurs. Alors là j'ai encore des canisters. Aluminium, iron, carbone. Donc là il me faut carbone, ok. Du zinc, j'en ai pas besoin. Alors je vais aller voir l'autre. Qu'est-ce qu'il faut pour lui? Aluminium, nickel, silicate. Ok. Donc et après il va vraiment me falloir un storage hein. Parce que je vais pas détruire des trucs quoi. Ça se fait pas. Du copper, tout ça j'en ai pas besoin. Je vais prendre ça. Ça peut toujours être utile. Je vais regarder là-bas si y a combien on en est. 3 sur 6. Non, on peut pas les. On peut pas transférer. Ça, ça ne change pas. Hop. Donc on va vite fait aller récupérer notre véhicule. Et on va essayer d'aller miner. Je vais carbone, aluminium et iron. L'iron j'en avais là-bas. Mais... ressources pool fond. Attendez, si je fais M... Non, c'est échappe la carte. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'il me dit? Une veine de silicate. Là j'ai des veines d'iron et d'aluminium. On va essayer d'y aller. On va essayer d'aller par là-bas. Donc, je me rappelle, il faut rien ramasser dans les crates. On va laisser le stockage libre. On va essayer de récupérer du carbone, de l'aluminium et de l'air. J'ai remonté le niveau de qualité des textures. Je suis toujours à 60 fps, c'est pas mal.
c'est quoi? C'est du copper silicate. Voilà. J'ai besoin de silicate pour l'autre... pour l'autre construction. Ouais, il me dit qu'il faut que je crafte l'autre... la warehouse, là, pour arriver à récupérer du stockage. Ouais, l'excavation, c'est... Oh, putain. Ah ouais, en plus, il faut bien faire gaffe à pas se prendre une pluie de météorite dans la tronche. Voilà. Je suis presque full. J'ai combien de silicates? J'en ai 11. Alors, ce qu'il faudrait que je vois, c'est l'émission. J'arrive pas à voir. Ouais, je vois pas l'émission. Non, j'arrive pas à voir les autres missions. Je vais juste aller voir la crate là. Voir s'il n'y a pas un. Est-ce que si je fais ça, ça va augmenter? Ça remet celui du... si je suis dans le truc, ça augmente celui du... Ouais, ok, donc je peux... Open crate. Là, typiquement, je vais pas récupérer ça. Je vais rien récupérer du tout. Parce que mon but, c'est bien de récupérer que de la matière première. On va partir par là. Donc, je les répertorie, hein, c'est déjà ça, mais... Map, on va aller voir. Ah ouais, non, là par là-bas je vais pas pouvoir sortir. Donc là je suis toujours en train d'essayer de pourvoir à mes trois ressources de base qui sont l'oxygène, la nourriture et l'eau. Là j'ai un truc à miner, mais ça c'est du silicate. Retourner à la base, voir le silicate, je dois pouvoir le mettre directement dans le truc. Yes, ça fond. J'en ai besoin de 10. Aluminium et nickel, donc ça c'est bon. Du copper, j'en ai. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'essaie de voir à faire le storage. Je vais aller me mettre le storage quelque part. Ça va être la prochaine étape aussi. Ok. Ah oui, donc je comprends mieux. On va essayer de la mettre. On va essayer de la faire tourner. Je vais la mettre ici. Ça requiert 100. Je pense que j'aurai plus assez de panneaux solaires. On va commencer comme ça. On verra bien ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça? Attendez, je vais voir. Tant qu'on y est. Ça, j'aurais pas dû le mettre derrière là-bas au loin. J'aurais dû le mettre devant. J'étais con. Mais je savais pas.
Super, j'en ai récupéré deux. Un no suitable canister, ok. Il faut que je me pointe avec. Si je dis pas d'ânerie. Feeling, ouais, je remplis. J'en ai rempli 3. Super. Donc en fait, il faut avoir les canisters vides sur soi. Pour pouvoir. Alors. Tac, je vais les récupérer. 3, c'est bien. Ok, donc je vais aller récupérer mon petit vaisseau. Le déplacement est lent, hein. Il n'y a pas de sprint. C'est quand même assez lent. Aluminium, iron, ça c'est bon. Et c'est quoi carbone? Carbone, j'ai pas. Alors, allez voir ce qu'on va faire. C'est qu'on va passer juste là. Et hop là, on recharge les batteries. Et on ressort. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Aluminium, iron et titanium. Ah mais putain, je suis pas sorti. Le copper. Le copper, on va tout virer. Drop, on vire. On en récupérera un autre jour. Alors j'ai dit aluminium, iron et titanium. On va laisser regarder sur la map ce qu'on a. Aluminium. Non. Aluminium. Iron. Ouais, là-bas, ça serait pas mal. Il faut vraiment que j'aille là-bas au final. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça fait un moment déjà que ça tourne. Alors, attendez. Ah merde, j'ai viré le copper. J'aurais dû vérifier qu'il n'en faille pas ici. Je suis fou, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, il en fallait ici. Bravo. Iron, nickel, silicate. Ok, du verre. Donc ce que je vous propose moi, c'est que je vais rester dans mon véhicule. Je vais aller je vais aller au point que j'ai noté sur ma map, au niveau de la veine, et on se retrouve là-bas. A de suite. Me voilà en train d'arriver. Oh purée, attention, level 6 geyser. À la zone iron aluminium qui était ici. Donc ça, il m'en faut pas mal. Donc on va essayer de miner ça. J'essaie de pas me faire abîmer par les geysers d'à côté. Deux iron, un aluminium. C'est assez lent le mining quand même. Ok, donc là je me suis déplacé un peu histoire de pouvoir miner sous moi. Ouais, j'aime bien la forme que ça, c'est joli. Hein. Pour l'instant, je me suis pas fait abîmer le véhicule. Ça consomme de l'énergie quand même, le miner. Il va falloir que je trouve du titanium aussi, ça je sais pas du tout où en trouver encore. Ah, il y a des crates autour, j'ai fait un scan tant que j'y étais. Je crois que j'ai besoin d'aluminium pour d'autres constructions, donc pour l'instant je mine un peu. Dans tous les sens. Hein. Voilà, le cargo est plein. Oh putain, là-bas il y a une tempête électromagnétique. Les crates, elles sont par là-bas. Je sais pas trop dans quel coin. Elles sont pas loin, normalement.
Là, il y a un truc, je vais aller voir ce que c'est. Ah, cette blague. C'est un petit rover. Propellon. Non, je prends rien de tout ça, mais... C'est le... Ça ressemble... Attendez, je vais allumer les phares. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Au petit truc qu'on a envoyé vraiment sur Mars. Le petit robot qu'on aurait envoyé, qu'on a envoyé sur Mars. Pour faire des analyses de terrain et tout ça. Ok, donc là, j'ai plus que 10 minutes de... Faudrait que je trouve une, un gisement de carbone. Alors, map. Je suis où, là? Là, il y a quoi? Ah bah ouais, il y a du carbone, mais ça veut dire qu'il faut traverser la moitié de la carte. Donc là, j'irai peut-être... Je vais aller faire un tour dans l'autre sens. Je vais aller vider les, vider le storage. Du truc. Après, ça peut être une solution, mais je pense que c'est un peu de l'exploit de bug. La déco reco pour créer une crate de véhicule, ça peut être sympa. Si ça les fait pas disparaître au fur et à mesure, ça peut être utile pour générer du stockage, mais je préfère régénérer le gros stockage qui est là. Ça serait quand même plus légitime. Mais bon, si on a besoin de déco en urgence, déjà c'est pas mal de pouvoir compter sur ça. Alors j'ai besoin de quoi? 10 iron, 5 aluminium. 10 iron, mais il est où? Il est là. Je le cherchais. Hein. Non mais reviens, arrête de sauter. Ici. Voilà. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Hein. 10 iron. Transfert. Ouais, voilà, je peux les transférer 3x3. 6, 9 et 1. 10 iron. 5 aluminium. Des aluminiums, j'en ai 3. Ok. Il faut que je trouve un titanium. Ça sera bon. Il est pas trop abîmé? Non, ça va. Merde, je viens de remettre de... Je suis à côté du garage et j'ai utilisé un canister pour remettre de l'énergie. Ce qui était un peu bête. Alors voyons ici, qu'est-ce qu'il nous faut? Il m'en manque 6, donc je vais tout mettre. Hein. 7, 8, 9, 10, 3, c'est parfait. Il manque un aluminium. Il manque donc les 10 carbones et de ce côté il me manque 10 aluminium, donc ça c'est bon, je peux tout prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des canisters vides. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas du zinc, on s'en fout, et du copper, on s'en fout. Je vais prendre des canisters vides. Moi un petit haut de canister, bon bah j'en ai un paquet, hein. J'en ai quand même 7 théoriquement. Donc là je devrais pouvoir remplir ici au moins 6. Au moins 3 je pense. C'est 1 pour 2 je pense. Non c'est 3 pour 1. Donc il faut aller le vider assez régulièrement. Parfait, ça c'est fait. Tac, 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 voilà. J'en garde 2. Là-bas, j'ai besoin de silicate et de trucs comme ça. On oublie, je crois qu'il faut du copper aussi, j'en ai. Mais pour l'instant, on va aller récupérer. Là-bas, il y a une caisse aussi, il y a une crate. Donc, il me manque 10 carbone et... un titanium et un peu d'aluminium et du nickel.
On va monter là-dedans. On va passer au garage. Il est pas loin. Après, on va aller regarder sur la map. Où est-ce qu'on peut aller miner? Oh, les power. Oh shit. Attendez, ce que je vais voir, c'est que j'ai combien de. Je vais voir si j'ai assez de points de. J'ai 1400. J'ai 14000 RP. Ça, c'est quoi? Cargo capacité plus 10. Top speed, energy power. Ah ouais, batterie capacité. Voilà, j'ai cherché. Donc, ça, c'est. Ça, je vais l'upgrade. Cost 5000. Ok. Donc, j'upgrade mon véhicule. Ça, c'est quoi? 9000 points de RP. Plus 11000. Hit point 100. Corrosive shield. Ça a l'air d'être utile. Bon bah c'est cool ça. Pionnier level 4. Bon voilà, j'ai dépensé tous mes RP. Et cost 8. Ouais, et là j'upgrade mon véhicule. Donc maintenant, il est... il a plus de cargo, il va plus vite. Et il a une meilleure engine power. Il a une meilleure O2 capacity. Super. Donc j'ai bien upgradé mon cargo. 70. Donc ça c'est cool. Et il devrait rouler un peu plus vite. Donc ce qui fait que je vais vous retrouver. Je vais retourner ici. Je vais retourner ici et je vais aller là. Chercher du carbone, au moins 10. Et alors là, il n'y a pas du titanium, silicate, iron, copper, aluminium, zinc. Iron, carbone. Donc je vais aller au carbone au fond là-bas. On va se retrouver quand je serai pas loin. Et je vais récupérer ça. Allez, à de suite. Et voilà, je commence à me rapprocher de ma source de carbone. Hein. J'ai pris quelques dégâts, comme vous pouvez le voir en bas. Je suis à 74%. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Je me suis pris... c'était pas une météorite, c'était quoi Je remets un peu d'oxygène. Je me suis pris un geyser. Small medikit, antiseptique, simple plastique fabrique. Pour l'instant, je sais pas à quoi ça sert tout ça. Donc je le ramasse pas. Dès que j'aurai mon titanium pour faire mon stockage, je pourrais peut-être commencer à tout ramasser. Ah, attendez, on va se mettre ici. Hop là. V. Merde. V. Bon, on va récolter du carbone, hein. C'est bien ça. On a besoin au moins 10. Ah bah déjà 5. Ça va vite au moins. Je vais pas en prendre beaucoup plus, hein. Je vais en prendre 10 de plus au cas où. Et voilà, 20 carbone. Tout ça pour ça quoi. Ah, ressource pool found. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Non. Il va falloir que j'aille me balader dans un autre coin là. Putain, la map. Ah, on n'avait pas vu la map. La map est quand même grande, hein. Il y a moyen de faire un truc sympa, je pense. Par contre, j'aurai jamais assez d'oxygène pour me déplacer jusque là-bas. Bon, c'est pas grave. Ah, il est là, la ressource pool. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à charger le 3D printer, donc j'ai le chemin de retour à faire. Donc franchement, il va vachement plus vite, hein, j'ai l'impression. Là il y a une perturbation, une tempête de sable, faut pas y aller. J'ai plus les problèmes de son que j'avais au début, hein. C'est quand même mieux. Problème alors, s'il faut faire gaffe aux tempêtes de sable, aux pluies de météorites. Ouais, regardez derrière là-bas, ça c'est bien transformé. Là il y a une crête. Là, c'est là où je pense que j'ai pris des dégâts. Alors, voyons voir ce que c'est, ça. Transistor, régulateur, fabrique, copper wire. Donc, je sais où sont... Au moins, je saurai où sont les choses.
Alors, quand j'appuie sur la touche R, ça fait bouger la... Ça fait bouger la grue, mais je sais pas pourquoi. C'est pas très grave, hein. Alors, où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis? Je suis là. Donc là, il y a quoi? Il y a de l'aluminium et de l'iron. Je crois que j'avais plus besoin de... Je sais plus du tout où j'en suis. Je devrais noter. Je devrais noter les trucs, ça serait quand même plus efficace. Ah ouais, la pluie de météorites, c'est... elle m'a un peu endommagé à l'aller. C'est marrant, hein, parce que j'ai pas eu trop le choix de passer par là. Bim. Je vais éviter les trucs rouges. Puis... Youpi. Ah, ça t'est fait. Je sais pas s'il va se réparer. Oh merde, où? Oh, l'accident. Non, stop, 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 stop. Oh, le crétin. Ah ouais, non. Ah, ça, je savais pas. Salut, toi. Véhicule damaged. Et need of repair. Donc, j'ai pas de repair tool sur moi. Super. Oh putain, il a bien explosé. Oh, la loose. Donc là, je pense qu'il faut que j'aille... Oh, pardon. Un petit n'importe quoi avec ma souris. Il faut que j'aille récupérer un repair tool qui doit être là-bas au fond pour réparer mon véhicule. Là, c'est vraiment l'air con, hein. Allez, tout ça en piéton. Avec le piéton, le jeu où on marche le plus doucement du monde. Et en plus, j'avais les 10 carbones et ils étaient dans le véhicule. J'aurais pu finir la quête. Ça aurait été sympa. Je pense que j'en suis déjà à peu près à 30 minutes de vidéo, donc ça aurait été bien de finir. Donc je vais récupérer. Ouit. Au moins on sait qu'on peut avoir des accidents. Ouais, ouais, non. Bim, rank 3. Super. Ah, j'ai pris des air points. Comment on fait? Je peux pas récupérer ça. Alors attendez. Je crois que c'est là-dedans. Repair amont. Ouais, c'est ça. Donc, ok, moi je vais vous faire une petite ellipse le temps d'arriver jusqu'au véhicule. Et on se retrouve de suite. Voilà, j'arrive sur le véhicule. Donc, ouais, vraiment, il faut tout réparer. Réparer les 4 roues. J'espère que j'aurai assez d'avec un seul kit de réparation, entre guillemets. Ah, déjà, je peux open véhicule inventory. Il est plus complètement naze. Même si je peux pas tout réparer, peut-être que je pourrais remonter dedans quand même. Hein. Ouais, en fait, il faut se balader avec ça parce que j'aurais eu un accident à l'autre bout de la carte. Sans ça, pas bon. Et puis, il faut pas le laisser dans le truc parce que sinon... Et bien voilà. Tout neuf. Voilà, on remet la grue dans le bon sens. Et on va poser le carbone. Et on y sera. Ah, cool. Je peux m'approcher directement avec le véhicule. Ça, c'est pas mal. Voilà, parfait. Ça, je viens de découvrir un truc. Je peux directement m'approcher avec le véhicule. Faire F. Pour charger. Bon, par contre, il faut que je fasse gaffe parce que du coup, je peux tout détruire. Parce que là, alors lui, je l'ai endommagé. 90% de vie, mais je sais pas comment le réparer. Il faudrait qu'il y ait une clé à molette. Voilà. Je vais claim 15 000 crédits. Parfait, j'ai fini ma mission. Ça, c'est cool. Donc, et juste, on va, ce qu'on va faire, c'est ça. Il faudrait voir à le connecter. Comme ça, par exemple. Requiert 200 unités d'eau.
Donc, ouais, donc ça pour l'instant c'est pas bon. Et voilà. Et bon, Better than Water Collector. Hop, on va prendre ça. 5 nickel. Voilà. Et lui, il a besoin d'eau. Alors, l'eau, pour l'instant, j'ai pas. Oh, si, activé, il doit être actif. Ah non, il est actif au niveau de l'électricité, il n'est pas actif au niveau de l'eau. Donc, il me faut le water collector qui va être ici. Donc, là, il me faut du nickel. Ah, ils ont encore. Ah non, j'ai cru qu'ils avaient garé différemment mon truc. Hop là. Alors, comment on va faire pour stocker le carbone supplémentaire? Je vais voir s'il n'y en a pas besoin là-bas. J'ai pas besoin de carbone, et là-bas non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir. Je vais ranger mon truc là. Peut-être que si je le déco ici, ça devrait marcher. Donc voilà. Hop, j'ai pas utilisé de canister, donc je vais aller voir juste un truc. O2. Normalement 150 en O2, efficacité. Je me demande si ça recharge pas mon. Ah si, maintenant ça recharge mon. Ça me recharge en O2 quand j'arrive ici. Donc ça c'est pas mal. Alors suite management. Ah, on peut augmenter la combinaison. Donc pour l'instant ça je sais pas comment ça fait. Tech tree, voilà. Il faut aussi des RP, donc je vais peut-être pas commencer par là. Et je pense que je vais m'arrêter là, je vais finir de collecter mon nickel, je vais peut-être finir les constructions en hors vidéo. Et je vous reprends une nouvelle vidéo avec la suite et les nouvelles quêtes. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite en vidéo. Ciao ciao.